Hey, c'est AJ en compagnie de Obélix et de Ergo pour ce 7ème épisode de Monster Hunter Online. J'espère que tu vas bien. On va continuer. Oh, je suis toute mignonne. Les quêtes principales de l'histoire. Mais avant, j'ai farmé le gypséros poulet acide là. Et du coup, je vais pouvoir faire ma nouvelle longsword. Et ça fait plaisir en plus parce que c'était une longsword qui paralyse. Voilà, donc j'ai tout. 2100. J'ai assez. On paye. On va l'équiper directement ici. Voilà. Yeah! Il y en a un qui a paralysé, ça va être cool. Comme ça, les monstres, quand ils seront paralysés, on pourra en profiter, ça sera gratuit. Allez, taper. J'ai un cadeau par contre. Non, c'est pas un cadeau, c'est quoi? Ah, si, c'est un cadeau. Ok. Ça, c'est de l'avancement dans les trucs d'étoiles. C'est bon. Peut-être des quêtes à faire, ou je sais pas, des monstres à faire aussi. Bref, on va ouvrir, on s'en fiche. Et on y va directement. Alors. Ah oui. Le. Yodrome. Let's go. Ready? Oui, je suis prêt. On y va. C'est parti, Mankiki. Je vais bien fermer ma porte. Voilà. Et on peut lancer. Capture the monster. On n'a pas encore capturé des monstres. Hein. Bon, j'ai dû le faire par contre pour le Gypseros poulet acide. Ah, je sais pas son nom non plus, du coup, j'invente des noms. Wow. Ok, tu veux me parler? Voilà, merci. Ah, il y avait un petit peu de latence, c'est pour ça. La connexion est redevenue au vert, c'est cool. Ok. Donc toujours avec cette magnifique traduction anglaise. Hein. Super. C'est bon? Laisse-moi partir, voilà. Merci. Je vais au coffre. Waouh. Ah, la connexion a galère là-haut. Hein. Oh, 2013 de ping. Wow, ça fait bobo quand même. Prendre ça au cas où. Et on y va. Ah, si la co persiste, je vais faire quelque chose. On va prendre une ration. Ça fait du stamina en plus. Le monstre, il est où? Il est là-haut, là, je le vois en rouge. Coucou! Oh putain, il est sérieux. Sérieux? Reviens ici! Reviens ici, saleté! Faut que je fasse le tour. Hop! Ouais. Regarde-moi! C'est bien. Voilà. Sors du poison, s'il te plaît, parce que je vais pas combattre là-dedans. Hein. Ça, on va prendre très très cher avec le poison. Ouais, paralysie. Génial. What the? Yeah! Ça va. Bon, les faiblesses à peu près partout hein, pour ce monstre. Peut-être le plus ça serait à la tête. Déjà on peut lui casser la gueule. Je vais essayer au moins de le paralyser avant. Pour lui casser la gueule après. Ah, ouf. Ça a du mal, hein. Ça galère avec la cour. Hein. Je m'en excuse. Hein. C'est vraiment chiant. Ils sont même les gens qui ont de la fibre, ça c'est galère. Hein. Ces serveurs chinois. Chaud chaud. Hein. Allez, paralyse! Paralyse! Putain, mais il est résistant ou quoi? Mais d'accord, hein, je fais de la paralysie. Ah, c'est galère, hein, ça, il veut pas. Hein. Et tout ce que j'ai mis dans la gueule? Il saute partout en plus. Telle une grenouille! Yeah! Tiens, voilà, je te remets au sol. Et on te frappe. Ah, enfin! Qu'est-ce qu'attends? Oui, en plus déjà, on a un meilleur tranchant avec cette arme. Du coup, c'est vraiment mieux avec cette longue sorte qu'avec l'autre. Et si jamais, comme l'autre a fait de l'eau, bah si jamais il y a des monstres de feu, on lui a détruit le crâne, on l'a tué, et bien je pourrais prendre la longue sorte d'eau et on se fera plaisir. Hein. Bon, ça a été facile. C'est un petit monstre hein, en même temps. C'est un peu normal. Il a pris très très cher, j'ai même pas perdu de vie. Et je récolte... sur ta tronche. J'aime bien bruit des petites abeilles qui... C'est bien fait quand même les sons environnants. Très bien fait. Y'a pas des insectes qui traînent ou des trucs à miner ou des trucs du genre? Là. Hop. Lightningberg. Glugloper obtained. Et Godbug obtenait. Ok, cool. Alors.
Du coup, ouais, je vais voir pour poster plus d'épisodes de Monster Hunter Online. On va se mettre les grandes vacances en même temps. On va essayer de faire ça. De toute façon, j'essaie de tourner le maximum possible, mais c'est un peu dur en ce moment pour moi. Ok, platine, hop. Puis comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, il y aura pas mal de RPG qui arrivera sur la chaîne. Alors aussi, j'ai pensé à un truc. Alors si jamais j'arrive à récolter assez d'argent dans ma vie, hein, là, peut-être qu'on partira aussi sur Monster Hunter Génération. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut l'argent, faut que j'essaie de la trouver. C'est assez galère. J'ai les tournois Splatoon qui me donnent un petit peu d'argent, donc ça sera déjà ça. Pour Game Capture 3DS. Et ça coûte cher cette merde quand même. Ça coûte très très cher. Donc, je promets rien, mais si j'arrive à voir, franchement, je fais une série sur Monster Hunter Generation. Et on pourra bien s'amuser là-dessus. Alors, on retourne en mission. D'accord, hop. Donc pas une promesse, mais un projet si j'arrive à voir ce qu'il faut. Voilà. Puis, si jamais en plus on a ce truc-là, bien plus tard on pourra même faire le Pokémon Lune Soleil. Un nouveau Pokémon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait depuis White 2, que si vous avez fait. Ouais, donc pas mal de projets, hein. Pas mal de projets entre nous. On va revoir aussi pour des séries multi. Bon, faut vraiment qu'on réfléchisse. Alors, pas un Poké Battle saison 2 pour le moment. Peut-être beaucoup plus tard, mais voilà, vous avez préféré le Let's Troll Poké Relais. Je vais ramasser quoi en fait? Je l'ai où? En zone 2? Zone 2, bon bah c'est là. Du coup, oh les Yankucu! Du coup, les Poké Battle ça va moins plus, c'est ça que je dois ramasser? Parce que j'en vois un petit peu là. Ouais, c'est ça. Hop. Puis franchement, un Poké Battle saison 3, je pense pas que ça servira à quelque chose, puisque je crois qu'on a à peu près fait tous les trolls. Enfin, un Poké Battle, hein. Let's Troll. Je mélange les pinceaux aussi. Mais Poké Battle, ça pourra arriver vraiment plus tard. Ça serait marrant une série multi sur un truc post-apocalyptique. Genre avec des zombies et tout. Ça pourrait être marrant avec Sylvos. Bref. Retournons à nos moutons. On joue à Monster Hunter Online. On parle Monster Hunter. On va pas partir sur d'autres sujets. Ok, ça. Il y en a un là à gauche, tout droit. Aïe aïe aïe. C'est bon, je l'ai eu. Mais bon, faut bien trouver des sujets de conversation des fois. Puis pour vous maintenir tous au courant de ce qu'il pourrait y avoir sur la chaîne. C'est important. C'est important. Oui. Nanadadadadadada, foiré. Putain. Vas-y, esquive, esquive, esquive. Et ramasse. Touche pas. C'est bon, je vais pas vous tuer, je vais vous laisser et on va aller livrer ça. Comme j'ai dit, encore du poulet, hein, c'est un truc de ouf. Toujours du poulet. La musique. On va retourner au camp et on va aller livrer les 10 objets que j'ai récoltés. La boîte rouge, elle est là-haut. Sur mon stamina. Voilà! C'était quoi ça? Une espèce de poisson. D'accord, je crois que c'était des os, mais non, c'était du poisson. Ce qui servait à nourrir à l'ayant cucu, je présume. Un petit coup, dodo! Oh! Ah bah non, on verra pas. Voilà. Et on retourne au village. Oui! J'adore l'animation de la fin de la quête. Pile poil à la fin. Qu'est-ce que clear là-haut? C'est quoi le truc en rose encore? Je sais pas. Hop! Fair competition! Merci. Toi? Ah, t'as un apprenti chasseur! Non, je comprends tout ça. J'avais pas fait gaffe dans l'épisode précédent. Ouais, on pourrait aussi s'amuser à lire, mais bon, je suis un peu mauvais en anglais aussi. D'ailleurs dans les projets, dans tous les projets qu'on a, il y aura pas mal de séries en anglais quand même.
Ça a du travail, hein, surtout Tale of Abyss. Waouh. Mais c'est un bon projet. D'accord, oh lui il slide lui. Ok, si tu veux. Et on va retourner en mission. Un Buldrome. Ça a déjà été fait, c'est pas grave. Est-ce qu'on arrivera à finir ce lock dans cet épisode? Ça peut le faire. Ça peut le faire. Là on va plutôt vite. Water, Fire, Thunder, Dragon, ça, et ça c'est de la glace. Ça n'a pas été traduit mais ça se voit. Ah, il pleut ou quoi? Ah, je dis ça parce que le chat il a un espèce de chapeau en nénufa. C'est bizarre. C'est bizarre. Hop. C'est quoi ça? Le monster est comme un nez, un truc de miel? J'ai pas tout compris. Voilà, je te laisse la traduction si jamais tu veux me le dire en commentaire. J'ai pas tout compris. Un truc qui a pas rapport avec le miel, les monstres. Est-ce que ça se jette au sol? Ça fait un guise de miel, ils veulent manger? Je sais pas. Ah, Buldrome. Ça fait longtemps, toi, je crois qu'on t'a pas vu. Tu vas prendre cher dans les fesses, toujours. Toujours dans les fesses. T'esquive. Allez, une fouge lame au complet avant qu'il charge. Parfait. Oh, il casse les arbres. Au bourrin. Hop. Esquive parce qu'il va charger. Juste à faire attention quand il charge. Et son attaque circulaire aussi, là, qui fait au corps à corps. Hop. Ça. C'est bon, il me touche pas. Et je l'ai blessé. Ok. Là. On est plutôt bien parti. La connexion fait que les dommages apparaissent après. C'est pas un souci. Ça n'arrive pas à mort. Esquive. J'aurai pas le temps. Oh, elle l'a fait tomber, j'aurais eu le temps. Bien joué. On profite. Et on le tape, on l'a paralysé. On l'a paralysé. On va les taper dans le cul. 68, 63. Je vais voir c'est quoi qui tape le plus fort, donc sa faiblesse. Ça veut bien apparaître. Oh, ça galère là. Ça galère. Le monstre me lag pas la gueule, ça va, mais les dommages n'apparaissent pas. Du coup, j'ai pas pu voir. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Et recevoir des dégâts invisibles. Fouge-la! Oh. Tiens, tu vois, il m'a pas touché, j'ai reçu des dégâts. Wow! Alors ça, c'est vraiment pas bon ça. Wow, 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 wow. J'aime pas du tout ça. Ah ouais, 21 000 de ping, waouh. Alors, ce que je vais faire, parce que là je crois qu'on va prendre dans la gueule. Hein. Je vais essayer de changer de zone. Il bouge pas, ouais. Je vais faire une petite ellipse et on va revenir. A tout de suite. Voilà, de retour. Alors, on va voir ce qui est arrivé. Apparemment, le monstre a fui. Ma connexion avait l'air beaucoup mieux. Putain, par contre, il aurait fui où? On va les voir en 3. Ouais, c'est bon, il est là. Ok. Donc là, apparemment, ça va nettement mieux. On va voir si ça se maintient. Au moins jusqu'au bout de l'épisode, ça serait cool. On n'a pas pu profiter, je crois. Ah si, 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 c'est bon. On avait réussi à le frapper quand il était paralysé. Mais voilà, on voyait pas les dégâts à cause du lag. Allez, il serait temps de le finir. On fait des petites esquives, pas qu'il nous touche. Ça, voilà. Oula, 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 oula. C'est bon. Ah, ça, je déteste cette attaque. Je la déteste. Donc, corps à corps, t'es obligé de te la prendre. Ouh, il a pris cher. Alors, la tête, combien? Ouais, 46, c'est pas beaucoup. Finalement, c'est ses fesses, sa faiblesse. Et non la tête. Je crois que j'avais dit la tête dans le premier ou deuxième épisode. Voilà, je me suis trompé. C'est vrai que le bureau, c'est un monstre que j'ai jamais fait. J'ai joué à des Monster Hunter, mais celui-là, j'ai jamais fait. Hop. Je crois que j'avais déjà dit en plus à Monster Hunter. J'avais joué MH1, MH3, MH3U, MH4U. Voilà ce que j'ai joué. Donc, il n'y avait vraiment pas le Buldrome.
goudron, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. On va le suivre. Ok, on va en profiter pour aiguiser comme ça. Et avoir le tranchant au maximum. Ah, je suis fier de cette longue sword. Hein. Meilleur tranchant, donc le tranchant part beaucoup moins vite et puis fait qu'on paralyse, qu'on profite comme ça de taper le monstre. Plutôt génial. Tiens, regarde, tu peux voir ma barre en haut à gauche, elle a un peu plus augmenté que dans le précédent épisode. Et donc dès qu'elle sera au complet... Attends, je me demande si je pourrais pas le montrer. Vas-y, mets-moi des dégâts dans la gueule. Vas-y. Fais-toi plaisir, vas-y. Allez. Voilà, regarde, tu vois, plus je reçois des dégâts dans la gueule, plus ma jauge elle monte. Étape. Tap, 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 tap. Merci. Soyez en même temps. J'aurais bien lui mettre une super attaque. Hein. C'est juste pour le spectacle. Hein. Juste pour le spectacle. Hop. J'ai bientôt au maximum. T'es où? T'es là-haut. Yeah. Allez, frappe-moi dans la bouche. Non, pas ici. Frappe-moi. Allez. Merci. Voilà, donc ma barre maintenant est au maximum, on peut voir, elle brille en rouge. Je vais pouvoir lancer mon attaque ultime. Yeah. What the? Oh, en plus on l'a buté. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Oh, t'as pris cher. M'avoir fait déco à cause du lag. C'est à prendre. Donc voilà, c'était juste pour montrer comment on montait la jauge. On va passer par la zone 6. Zone 1. Et puis on va aller au camp. Parce que là je dois ramener un truc. Donc voilà, l'attaque ultime, l'attaque spéciale, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la botte spéciale, peu importe. C'est assez long à voir. Par contre, je crois qu'il existe des potions pour pouvoir augmenter cette jauge. Et donc l'utiliser comme on veut. Je vais ramener ça. Non, par contre ça me parle. Ah. Ah d'accord. Ah, on est comme ça, on se fait un pique-nique barbecue. Au calme, avec les fratés, il y en a assez. Même c'était la première chatte à sauter de joie quand elle me voit. Oh, du poisson, du serpent. Quête finie. Ouais. Retour à la maison dans 60 secondes. Eh ouais mais... Ah attends, j'en profitais pour aller miner des choses. Ici il doit y avoir des trucs là-haut. On a vu un autre là, ouais. Il n'y aurait pas de la toile ici. Ce serait important de la toile. Faire des pièges. Earth Crystal, cristal de terre. Cool. Pas l'air d'avoir d'autres objets à ramasser ici. Allez mon petit palico. Hey. Hop. Je vais aller par là. Là je peux pas ramasser ça. Non. Un caillou. Palico franchement pas très utile quand même. Hein. Il fait pas beaucoup de dégâts, il a pas beaucoup de vie. Bon ça sert juste pour le monstre qui l'attaque en gros et qui m'attaque pas. Putain du coup on s'est chopé un 80 à cause de la déconnexion, c'est dommage. On aurait pu avoir le platine haut la main. Largement haut la main. Alors. Salut toi. Lily. Princesse Lily, ma petite Lily. J'ai fini tes quêtes. Voilà, merci ma belle. Hop. C'est quoi? 3. On va aller là-haut. Je vais aller voir aussi si je peux mettre des améliorations sur mon arme. Ok. Toi. Comment s'appelle? Nasika. Très beau prénom. Je vais améliorer mes armes. Ça là. Faut quoi là, Ergo? T'es de l'autre côté pourtant. C'est toi, non?
lance équipement. Hop. Ouais, je peux améliorer avec ça. Et attaque plus 1. Écoute, on va se faire plaisir. Hop, un petit attaque plus 1. On va regarder ça comme ça, les armures. Je peux améliorer la défense. J'en ai pas besoin. Décoration. Ça? Non? Non, je sais pas. Une arme? Il se passe rien. Une armure? Là. Ah, je peux mettre une armure. Attaque plus 1, défense moins 1. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça, c'est l'équipement que j'ai mis, ouais. Sur le bras. Vas-y, on va mettre sur le bras. C'est juste pour montrer des choses. Hein. Voilà. Sinon, moi, j'aurais gardé. Et voilà. Ah, bah tiens, je vais faire cette quête-là, justement. Bah, parfait. Parfait, parfait. Tu m'as donné un truc? Tu m'as donné un bouquin. Combiné. Oh! On peut faire des joyaux. Attaque plus 1. On peut en combiner. Génial. Village Elder. Oh, pépé! Je te remets ton dentier, tiens. Aïe. Tiens. Voilà. Tu t'étais content, hein? Tu souris de la moustache, mon frère. On va retourner à Nausicaa. Voilà, petite Nausicaa. Doomsday. On a un jeu, ça, non? Ah, non. C'est Lily. Nausicaa est partie. Elle en a eu ma claque de rester le cul assis sur un banc en pierre. Écoutez l'eau. Hop. On tourne l'autre côté. Et... En mission, ok. Donc, enquête. Avant, je vais reposer tout ce que j'ai. Parce que là, j'ai beaucoup de choses sur moi. Hein. Touk, touk, touk. Je peux tout poser finalement. Donc voilà, du coup, avec mon arme, je vais faire beaucoup plus mal. Attaque 59, affinité 0%. Et notamment, j'ai un tort deal for un coup critique. Quand je fais un coup critique, 125. 125 quoi? Et 15 par. Ah, c'est pour ça que j'ai du mal à paralyser. C'est que du 15, hein, c'est pas beaucoup. Et défense, j'ai que 16. Ok. Voilà. La réponse à mes questions, suffit de voir. Ouh! Des mermitors ou c'est juste des petits mermitors? Ce serait bien le gros quand même. Je sais même plus les monstres qu'on a affrontés à force. Mais je crois qu'ils remettent souvent les mêmes. L'Hermitor, je crois qu'on l'a déjà fait. Deimo et Hermitor. Deimio et Hermitor. T'as changé d'équipement toi. Tiens, un clown. T'as raison de faire la tête hein, avec cet accoutrement. Ok. Oui, 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 oui. 0 sur 1, ouais, ça doit être un Daimyo Hermitor. Génial, un gros monstre. Hop, je prends ça, 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 ça. Et c'est bon. On y va. Bon, je présume qu'il est encore en zone 1, comme tous les monstres qu'on fait à chaque fois ici. La petite ration. Ouais, il est là-haut au fond. Oh, il me voit d'ici! Mais sérieux, lui? Allez, viens goûter à ma para! Yeah oh, se calme. Commence pas par cette attaque de merde. Ah, merde. Là, va falloir courir. On va se prendre le pic dans le cul. C'est bon. Ok. Elle sort. T'as vu la bouger l'herbe? T'as vu l'herbe bouger? Regarde! Waouh! Je prends le malin. Yeah. Allez, prends ça! Ça y est! Yeah. Fou de l'âme! Parfait! Donc, notre puissance en plus avec l'attaque plus 2 qu'on chope, avec l'armure et l'arme qu'on a améliorée. Hop! L'arrière, il ne pourra pas me toucher. Il va continuer à taper. On peut lui taper, on peut lui casser la corne. Casser la corne et les pattes, les pinces. Corne d'un monoblose d'ailleurs. La tête d'un monoblose. Le crâne d'un monoblose.
Oh, c'est bon, les paras. On va lui taper sa tête, sa faiblesse. Ces monstres-là qui aiment bien se servir des crânes des gros monstres qui existent. Hop. On t'enchaîne. Voilà. Et on te blesse x2. Car on a aucun respect. Oh merde, on dit, on a aucun respect pour toi. On va soigner. Faudrait que j'essaie de déguiser. Ça m'embête pas trop. Dégage. Tant qu'on tape devant, de toute façon, on rebondit pas. Tiens! On débite. Yeah! La magie des fouges lames. Ça, ça, ça. C'est bien. Soigner. Oh! Bon, là, faut vraiment que j'aiguise. Profiter qu'il fasse son tour d'invincibilité, vite, vite, c'est bon. Qu'il ne crache pas de l'eau sur la gueule. Je vais bientôt clamser, je pense. Vu tout ce qu'on te met dans la gueule depuis tout à l'heure. Oh shit, esquive, parfait. Ah, ce que j'aime bien aussi avec la longue sword. Les esquives avec l'arme, elles sont extra. Si tu connais les attaques du monstre, tu peux à peu près tout esquiver. Les petites attaques là, comme ça sur les côtés, super bien. Bon, du monstre tranquille là pour le moment dans cet épisode. Hop. Alors regarde, tu vois. On a une esquive comme ça sur le côté gauche, on a une esquive aussi sur le côté droit. Et une esquive derrière, donc vraiment on a du choix parce que on n'est pas obligé de faire des esquives comme ça, on peut faire aussi ça. Hein. Petite roulade et puis voilà, esquive devant. C'est ça qui est cool avec cette arme. Manque de la défense, mais ouais, on peut faire des évasions, tranquille. Y'a pas du poisson là-dedans? Oui bon, c'est vrai, je pourrais aller miner en attendant, mais bon. Là, c'est un petit peu de poisson, on regarde un petit peu le décor. Super beau, hein, d'ailleurs. Ça rappelle Xeno X, le truc qui est tout devant. Oh, magnifique là, l'image de fin. Le platine. Et rentrer au bercail. Ouais. Tiens, j'ai fini ta mission, ma petite Lily. Oh, c'était plutôt facile, hein. Vraiment pas de problème. 22. Je suis niveau 22, non? Ok. Ouais, je suis niveau 22. Alors. C'est une quête que tu me donnes que je suis obligé d'être niveau 22, c'est ça? Oh! On a encore changé de... de rang. Putain, on a même pas fait de nouveau monstre, quoi. Bon, on va être parti pour du céphalodrome. Je prends le cadeau, j'irai l'ouvrir après. Quoique peut-être maintenant, si jamais il y a des équipements dedans. Tiens, justement, des équipements. Alors attends, ça je vais te réduire pour le moment. Hop. Oh. Oui, c'est bien. Je me disais, what? Qu'est-ce qui se passe? Mon screen devient noir. Non, le truc m'expliquait que la quête elle était juste en bas à droite. Ok, et je vais équiper la tête. Oui. Attends, peut-être que... Ah ouais, ça fait partie d'un costume. Je vais remettre le costume. Non, non, je veux pas ça. Où le costume? Là. Voilà, je vais le remettre. On prend plus la place comme ça. Et on va pouvoir relancer la quête et y aller. Donc ça sera la dernière de cet épisode. Bon, pas de nouveau monstre, c'est dommage. C'est dommage. J'avais prévenu hein, de toute façon. À force on fera toujours les mêmes monstres. Il va falloir aller un peu plus loin. Il y aura pas mal de nouveaux monstres. Parce qu'on va dire au début c'est vraiment pas mal. Après un petit peu au milieu, hein, début milieu, on commence à refaire toujours la même chose. Et après un peu plus tard, ça devient plus intéressant. Hop. Attends, c'est des bombes Sonic, j'en prends plein. Bah oui. Pourquoi? Bah ça c'est Phadrome, si jamais il est sous le sable, et ben je vais pouvoir utiliser les bombes soniques.
et le faire sortir. Comme ça on pourra le frapper parce que c'est... il est casse-couille hein, quand il est dans ça. Donc, vaut mieux avoir des petites bombes Sonic avec nous. Hop, ma ration. Stamina maximum. J'ai pas pris de breuvage frère. Oh shit. On va faire ça. J'aurais pu retourner au camp, c'est pas grave. Cinématique. Ah la Star Wars, tu sais. Ah ouais, t'es un enfoiré et toi, en fait c'est toi qui appelles le safanorme. Attends. C'est une flûte pour appeler les monstres ça? Il contrôle les monstres? Du coup il a attaqué les marchands. Les nomades, les pauvres. Alors ma petite bombe Sonic qui est sur 8, vas-y approche, approche. Yotta. Bon du coup on va perdre de la vie quand on n'a pas de breuvage frais. Mais ça devrait le faire. C'est pas drôle, j'ai des potions. Et Fouja. Heureusement j'ai bien attendu qu'il fasse son attaque. Tant que je le frappe. Là que ça fait baisse. Bah c'est pas drôle, on l'a pas encore fait. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dit pas de nouveau monstre, mais on l'a pas fait celui-là. Ah, de toute façon, je l'ai dit, hein, je suis un peu perdu dans les quêtes de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Ah, je crois que c'est un nouveau monstre. Oh, c'est cool alors. Ça va finir sur ça. Une potion. Ah, je crois que je raconte des conneries, putain. Allez. Oh, mais arrête de faire ça. Bon, on va taper la queue. Ça fait mal à la queue. Pas vrai, messieurs? Yata. Côté, on va essayer de te zinguer la tête. Hop, oh, on voit les blessures en plus qui apparaissent quand tu tapes. Oh dommage, je l'ai pas touché. Wouhou! Coup de lame dans ta tête. Boum! Ça que peut me toucher hein, avec cette attaque. Ok, il creuse. On va lui jeter une bombe Sonic. Comme ça, il ressort directement. Et on le frappe dans la bouche. On l'a paralysé. Parfait. Je pourrais aiguiser, mais je vais profiter pour frapper. Hop. Voilà, là, tu enchaînes. On lui a cassé la tête. C'est ce que je voulais. Et maintenant, on tape la queue. Ouais, par contre, pas trop vite non plus, faut soigner. Esquive. Oh, le pot. Oh, on voit sa chair complètement à la tête. Ah, oh, c'est dégueulasse, mais j'aime ça. Oh, regarde-moi ça. Aiguise, 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 aiguise. Doucement. Ah, c'est pas grave. C'est pas si mal que ça. Côté. On profite, on tape. Donc Monster Hunter vraiment c'est, il faut profiter pour les punir hein, les monstres quand ils font des attaques dans le vide. Ou si jamais tu connais bien le monstre, et bah tu sais quand tu peux frapper. Vraiment il faut se servir de ça, des connaissances. Et pas le faire en mode bourrin hein. Ça, ça marche vraiment pas. Pensez aussi à se soigner. Parce que jouer à faible PV, bah des fois on peut se prendre des combos dans la gueule et crever. Vraiment des choses qu'on doit pas oublier. Ah, tu ressors mon gars. Tu vas où comme ça? Tu te barres pas. Je t'achève ici. Tu vas finir en brochette. Brochette de Céphadrome. Il va repartir hein. Attends, je vais attendre, il va sauter. Voilà. Ah merde, j'ai plus de bombe Sonic. Oh zut. Ah, j'ai mal géré mon truc. Il se casse. Qu'est-ce que tu me fais toi? Tu pètes un câble. Et on va le finir. Wow, wow. Pas le fifou non plus hein. T'as gaffe de pas changer de zone non plus. Ok. Et on l'a fini. Yeah. Yeah. Cool. Donc ouais, franchement je disais des bêtises. Ah, pas fait. Ta-da, ta-da, ta-da.
jumpscare. Enfin, ça se trouve, je dis, on l'a pas fait, et puis finalement, on l'a fait. Je vais rien dire. Faudrait que je vérifie dans mes épisodes ce qu'on a fait. Histoire de me remettre en tête tous les monstres qu'on a déjà tués ou non. Parce qu'à la base, c'était une série que je tournais quoi, une fois toutes les semaines. Et comme j'ai dit, on va essayer d'en mettre un peu plus. Du coup, on va bourrer les sessions de tournage ou des jours où je pourrais tourner. Essayer d'en avoir le plus possible. Et comme j'ai dit, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Allez, on rentre au bercail. Quest clear. Le petit sang, le platine. Et tout est bien, qui finit bien. Tiens, on va vérifier maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait comme monstre? Donc on a fait le Bugdrome. Cucu. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, ce monstre, il est super beau. Le dragon orange. Magnifique. Et ça, ce qu'on a fait. Ouais, donc on n'avait pas fait le Céphadrome. Et ça, Zébeur jaune. Je sais plus si on l'avait fait aussi. Il était là. Non, on l'avait pas fait non plus. Si, on l'avait fait, ok. Donc, ouais, j'ai de bons souvenirs. Voilà. Bon, on se disperse pas trop non plus. On doit mettre fin à l'épisode. Si je commence à regarder des choses. On n'a pas fini. Hop, toi. Je crois que l'épisode durera un petit peu plus longtemps par contre. Parce que je sais plus avec l'ellipse que j'ai fait combien de temps on était. Voilà. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir mon cadeau avant. Deux cadeaux. Ils sont généreux. Ok. J'irai tout ranger hors caméra. On va sortir tout de suite. Et prochaine fois. Encore? Vous êtes sérieux? Encore Céphadrome? Bon, ok, si vous voulez. Du coup, j'espère que tu auras apprécié cet épisode. Et puis, je te donne rendez-vous pour l'épisode 8 de Monster Hunter Online. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Salut, le Agis fait vieux parce qu'il oublie des choses, voilà. Allez, tchuss.